Nous, on a un rôle pour vous. Ah oui, je prends, Renaud. Je signe. Allez. Ah, c'est les viseurs équipés. Alors là, je peux vous dire, c'est pas n'importe quoi, c'est le rôle d'Emmanuel Macron. Ah, ah, parce qu'il partit à la Martinique avec une Dream Team, comme on l'appelle. Agnès Buzyns, François de Rugy, Annick Girardin, Jacques Mézard. Voilà. Autant voilà. Vous dire, si tous les problèmes de la Martinique vont être réglés en deux coups de cuir à peau. Ils arrivent là-bas, Charline est Agnès Buzyns, Guillaume Meurice est un passant sur les marchés. Il a beaucoup de talent, mais je ne sais pas si au micro ça va marcher. Eh ben, on... c'est ça. On va voir. Et moi-même, je suis François de Rugy. Ah, ben moi, ça va me faire du bien ce petit voyage en Martinique, parce que entre les vieux et les malades, moi, j'en peux plus. Hein, Moi, ici, il n'y a pas trop d'hôpitaux. Oui. Alors ici, nous sommes en territoire ami. J'y suis passé il y a 2 ans et j'ai été accueilli comme un roi. Hein, Brigitte? Oui, non, mais il fait chaud ici. Vous pensez que c'est à cause du réchauffement climatique? François de Rugy. Non, ils vont encore dire que c'est de ma faute, j'en suis certain. T'inquiète, on dira que c'est la faute de Hulot. Ah. Mais non, François, c'est normal qu'il fasse chaud. On est aux Antilles, on est sur une île. Enfin, c'est bien une île cette fois-ci. Quand même. Ah oui. Emmanuel, la Martinique, c'est une île. Ah, très bien. Mais c'est bizarre, j'avais pas le souvenir qu'il y avait tant de bâtiments détruits la dernière fois que je suis passé. Emmanuel, là c'est normal parce qu'il y a la tempête Kirk en ce moment en Martinique. Quoi? Une tempête? Non mais c'est de ma faute, je suis sûr qu'ils vont dire que c'est de ma faute. Arrête François. Non mais c'est quoi tous ces gens agglutinés là-bas? C'est une manifestation pour se plaindre des eaux polluées par l'accordéon. Oui, c'est ça, oui. J'arrive, j'ai mes lunettes, j'arrive. C'est quoi Guillaume? Chlordécone. Chlordécone. Oui. Et après, il y a non, je déconne. Mais non, je déconne. Ah, ben voilà. Bon, ah tiens, si on allait rencontrer les Martiniquais, ça va nous faire du bien, un petit bain de foule. Hein? Bonjour, monsieur. Ouais, c'est ça, bonjour. Vous travaillez dans quoi? Ben non, je travaille pas, il y a 20% de chômage ici. Et vous cherchez dans l'horticulture, j'imagine? Ben oui, mais le problème, c'est qu'on est sur une île, donc si je traverse la rue, ben j'arrive dans l'eau. Vous ne savez pas nager? Non, c'est pas ce qu'il voulait dire. Ben, dites-moi, vous pensiez être en vacances là? Vous êtes venu avec votre grand-père, vous? Non, c'est Jacques Mézard. Ben, comment vous voulez que je sache? Ben, c'est le ministre de la cohésion du territoire. Ah, c'est pour ça que vous avez celle qui s'occupe des vieux là. Ouais, je m'occupe de la santé, moi. Oui, donc monsieur n'a pas tort. C'est ça. Et c'est qui celui-là là? Tu peux t'approcher, on va pas te manger. Hein. Bonjour, je suis François de Rugy. Eh bien. Je n'y suis pour rien, c'est Nicolas Hulot. Eh ben, c'est à cause de vous que mon père pêche des poissons contaminés. Hein. Ah, donc votre père est pêcheur? C'est un beau métier, hein? Dites-moi, on ne pêche pas beaucoup de Comoriens dans le coin? Hashtag Aquarius. Ouais, franchement, vous êtes triste. Hein? Oh, sur un autre ton, hein, sinon je rentre en France. Mais on est en France. Ah mais vous êtes impitoyable. Francis Renaud, merci.